Et salut à tous, c'est Inny, on se retrouve aujourd'hui dans cette 13ème partie de Pokémon Glazed. Et désolé, on tombe direct sur un Pokémon sauvage. Et on se retrouve ici, pourquoi est-ce qu'on est ici? Bah c'est la tour, si je dis pas de bêtises, ça s'appelle la Temporal Tower. Donc on était ici parce qu'on était, enfin, on était avec Blake qui nous a informé qu'il y avait des trucs bizarres là-bas. Enfin, lui, il allait y jeter un coup d'œil. Du coup, nous, en bon camarade, on l'a accompagné. Et on s'est arrêté ici parce que justement on voyait qu'un peu plus loin on voyait Blake avec un mec. Enfin je crois que c'était avec toujours le même, avec Michael. Enfin bon, là vous voyez notre Dracarmin qu'on a attrapé au précédent épisode. C'est pas forcément un Pokémon définitif lui, je sais pas. Peut-être que ça l'est, vous voyez en plus il est que niveau 31. On a 6 Pokémon mais ils sont pas tous définitifs, on verra. Pour l'instant, on va continuer avec et puis on verra bien. Donc, on continue. C'était par ici qu'il fallait aller. Ah, voilà, il y a même une femme. Ok, j'ai pas vu. Feu, feu, feu. On dirait qu'on a de la compagnie, ma chère. Oh, c'est toi. Nous, on est familier maintenant. Mais je pense que il faut quand même se faire des présentations. C'est ma magnifique femme, Regina. Ça doit être l'idiot dont tu m'as parlé. Et est-ce que c'est le fameux Blake? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça bug? Oh. Je suis vraiment enchanté de te rencontrer, de vous rencontrer. Je dois vous demander de vous pousser pour que nous puissions passer. Notre travail ici est terminé. Non mais attends, mais Blake, il attendait devant eux qu'ils finissent leur travail ou quoi? Non mais tu te fiches de moi. Je ne bougerai jamais pour le leader. Non, je ne m'écarterai jamais devant le leader de la team fusion. Tu devras me tuer avant. Oh, il s'énerve. J'aime effacer The Smirk. Je sais pas ce que c'est, Smirkoff. Enlever, enfin effacer les trucs de son visage. Est-ce que je peux, Michael Skins? Bien sûr que tu peux, ma chérie. Enfin, ma chère, je sais pas. Je vais t'aider. C'est la dernière fois que tu nous embêteras, gamin. Ma femme et moi, nous sommes une force inarrêtable, instoppable. Ok, donc on combat le couple. C'est mignon, hein, ils se combattent, enfin ils font une équipe, c'est très mignon. Ah non, mais ils combattent tout seuls du coup. Ditto, ok. Alors, je crois Dracourage, hein, on va pas se casser la tête. Hein. Je pense pas qu'il ait plus de 80 PV, donc ça devrait enlever à moitié. Ah, presque. On était pas loin. On était pas loin du tout. Ils se contentent, on continue dans le Dracourage, il lui restera 2 PV, donc on pourra faire n'importe quoi comme attaque après. Ah, allez, transforme, ok, vas-y, hein, pas de soucis. Du coup, il s'était fait quoi dans Slam, je sais plus. Et ah mince, je sais pas ce que ça va faire. Du coup, la Draco Griffe, ça devrait faire quand même mal, je pense. Peut-être la moitié, peut-être, je sais pas. Et la moitié. Oula, dis donc. Ah, je pensais pas. Ah mais d'accord, il a la peau dure. Ok, bref, peu importe. Là, je lui fais un mâchouille comme ça. Le Draco Griffe derrière, ça devrait le mettre KO. A priori, hein, je vois pas pourquoi ça ne mettrait pas KO. Voilà, donc on s'en est déjà débarrassé de 1. Ouais, tant pis pour la peau dure, hein, tant pis. On n'a pas trop le choix. De toute façon, on est obligé d'attaquer avec des attaques physiques. On n'a pas trop d'attaques spéciales, donc c'est pas grave. Enfin bon, donc je sais pas si on combat lui. Parce que du coup, on combat le mec, le mari. Et puis après, est-ce qu'on combattra. Est-ce qu'on combattra la femme? Je sais pas, on verra. Ou alors peut-être que c'est Blake qui s'occupe de la femme. Genre, je sais pas trop. Bon, là, du coup, on va essayer. Courage, je sais pas. On va, de toute façon, on tente. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Voilà, on attaque avec Draco Courage et puis on va peut-être tenter un Draco Griffe. Oh, on est devenu plus rapide. Ça, c'est cool. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Du coup, on l'a mis KO. Parfait. Ah, j'aime bien quand ça se passe comme ça. C'était pas fait exprès, mais très bien. Bon, en plus, ils étaient niveau 36 en face. Il a réussi à en battre 2. Du niveau 36 alors qu'il a perdu que 41 PV. Ce qui est pas mal. Bon, est-ce qu'on combat la femme après? Ah, toi, you little jerk, sale idiot. Et toi, Blake, n'êtes rien à part des empêcheurs de tourner en rond. Allons-y, chérie. J'ai trouvé tout ce que nous avons... Enfin, j'ai trouvé ce dont on avait besoin ici. Je sais que Mew a disparu dans une réalité alternative. Il y a 50 ans. Et de plus, je sais comment y retourner. Ok, donc ils cherchent Mew en fait. Ils ont disparu, merci pour ton aide. Maintenant, je suis sûr que tu peux utiliser ça.
Je sais plus ce que c'est, 16h02, c'est peut-être vol, non? Genre 10 vols. Cette excursion n'était pas inutile, ne t'en fais pas. Luke a parlé de comment Mew a été aperçu dans son univers. Je ne sais pas ce que la Team Fusion veut faire avec Mew, mais nous devons protéger Mew à n'importe quel prix. Je te ramène à Soverly City, ok? Très bien, alors il nous a donné... Sérieusement, je dois te remercier pour ton aide. C'est vraiment malheureux que la Team Fusion se soit encore enfuie. Je dois retourner à la ligue. La CS que je t'ai donnée plus tôt contient vol, ce qui veut dire que tu peux utiliser le badge Blaze de la reine à la droite. Enfin, à la droite de. Hein? Right here. Enfin, juste ici, non pas. C'était pas right dans le sens à droite, mais juste là. Enfin, ici. Enfin, bref. À Soverly City. Je sais que tu réussiras. Fais attention à toi, Lucie. Ok. Alors, il a dit Onge-Crow. Onge-Crow, donc Corbos utilise. Enfin, Corbos ou. Ouais, c'est ça, Corbos, Cornèbre, je sais plus quel des deux. Fait vol et on a vu un roux carnage. Enfin bon. C'est pour chipoter, hein, je chipote un peu. Bref, donc, on a vol. On va voir si on peut l'apprendre. Je crois que j'ai pas de Pokémon qui peut apprendre vol. Je pense pas que Dracarmin il puisse apprendre vol. Donc, c'est un peu embêtant. C'est vrai que j'ai pas. C'est pas top là, niveau. Ouh, je sais ce qu'on va faire. Séisme, on va apprendre séisme à. À lui, j'aurais bien pris à lui parce que ça peut être vachement utile, surtout pour l'un de type feu. Tranche 70 de puissance, 100 de puissance. Sachant que ça va pas tout le temps faire des coups critiques. Ok, il y a 20 pp, mais ah, je partirais plus là. Ça baisse, ça peut baisser la défense spéciale. Il y a 80 de puissance, et puis ça peut avoir des enfin, ça peut être super efficace. Alors, tranche, ça sera jamais super efficace. Donc, j'enlève tranche. Donc, ça voilà, je pense qu'on est bien. On est bien, et puis bref, c'est pas ça que je voulais voir là-bas, c'était vol, je vais voir, je pense que personne ne peut apprendre dans mon équipe, mais on va quand même vérifier. Ouais, bon, on verra ça plus tard. On s'en occupera plus tard. On va aller trouver la reine, je pense qu'on n'a rien d'autre à faire dans cette ville à part la reine. Bah tiens, elle est juste là. Ah oui, c'est pour ça qu'il disait right here. Ok, ben bah, on y va, on va laisser... Oh purée, elle est jolie. On va laisser Dracarmin devant. Purée, mais comment il est fait pour faire des... Des trucs comme ça, le gars, le développeur, mais c'est vraiment, vraiment fou, je trouve. Enfin bref, donc on va passer par là. Faire si on fait ça, on se brûle, non? On se brûle pas, hein. Non, parce que des fois, ça pourrait être fait exprès pour ajouter un peu de difficulté, je sais pas. Bon, mince, c'est un combat double. Je sais pas qui j'ai en deuxième. Ouais, c'est un combat double. De toute façon, là, j'avais pas le choix. Hein. Je pense que c'était fait exprès, hein. Mais j'avais pas le choix. Et une fois qu'on aura battu les deux, je pense que la flamme s'enlèvera et on pourra passer. Du coup, j'ai qui avec. Je sais qu'en premier j'ai Dracarmin, mais après je sais pas qui j'ai. Enfin, je m'en souviens plus. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On va tenter quelque chose. On va faire séisme. Je sais que ça a attaqué. Je sais que ça va attaquer. Infect, mais bon, je peux pas faire grand-chose. Je vais pas mettre Junko. Tant pis, on va faire éboulement. Ok, ça va. On va faire éboulement parce que comme ça affectera pas Dracarmin par contre éboulement. Alors que si je faisais séisme avec les deux, Dracarmin il recevrait des dégâts. Voilà. Au moins ça les mettrait KO en face, je pense. C'est un risque à prendre de mettre. Mais il a fait Flamèche sur. Oh, c'est une bonne tactique ça. Il a fait Flamèche sur Fenard pour lui augmenter sa puissance de feu. Non, on l'a pas mis KO. Allez, c'est bon, il a résisté. Ça, c'est pas mal. Ok, du coup on a vu que Infect il était pas mal rapide je crois. Hein. Donc si on fait un petit séisme, on peut les mettre KO avant. Enfin, d'ailleurs, mais pourquoi Fenard était pas très rapide au final, il a attrapé. Enfin il a attaqué tard. Bon, on va quand même refaire séisme. On va faire séisme aussi avec. Enfin on va faire avec les deux. Ben non mais alors c'est qui est lent? Enfin, il y a quelqu'un de son équipe. Ah ok, c'est Arcanin. Je me disais, il y a quelqu'un de son équipe qui avait attaqué un peu après moi. Ok, c'est bon. Voilà, ça c'est fait. Normalement, les deux devraient être KO, hein, je pense. Ouais, parfait. Je sais pas s'ils en avaient d'autres. Hein. Enfin, si, ouais, s'ils en avaient d'autres. Je pense qu'il doit y en avoir deux autres, à mon avis. 798, 798. Personne ne monte de niveau, c'est dommage ça. Ok, il en a bien deux autres. Macargo. Enfin, Volcaropode et. Et Démolos. Très bien. Bon, là, Volcaropode, a priori, il devrait être KO du premier coup, je pense. Ah non, même pas. C'est étonnant ça. Bon. Voilà. Oh purée. Mais comment ça se fait que ça n'avait pas mis KO Volcaropode alors que ça a fait autant de dégâts?
Bref, bon là on va pas... Ouais mais est-ce que ça... Attends, on va faire ça. Ah voilà, c'est bon. Non parce que je voulais pas faire de séisme en fait. Mais je me suis dit si je fais morsure sur Démolos, je suis pas sûr que ça le mette KO. Mais bon, là ça devrait aller. Voilà, parfait. Bon, on va quand même les soigner. Je sais pas si on va laisser ce duo ensemble. C'est pas terrible. On va peut-être plutôt faire un duo Lagron Dracarmin. Je pense que ça serait mieux. Parce que déjà Lagron résisterait mieux au séisme de Dracarmin. Et puis je pourrais faire des attaques surf. Ce qui pourrait être vraiment utile. Enfin bon, tu as l'air fort, donc je vais t'enlever ce feu qui bloque ton chemin. Le feu a été enlevé avec succès. Bonne chance pour le reste de ton challenge. Ok, c'est très gentil. Ah, il est déjà niveau 42 quand même. Bon, on va rester avec Ambrilex pour l'instant. Hein. On n'est pas trop en retard avec Lagron, il est pas en retard, donc il peut continuer de... Enfin, si on ne le fait pas trop combattre dans cette arène, c'est pas très grave, il a un peu d'avance. Donc on va continuer d'entraîner en Infect. On devrait pas avoir trop de mal, je pense. En tout cas, ouais, l'arène, franchement, très jolie. Très, très, très jolie. Je sais pas comment ils ont fait ça, mais c'est très joli. T'es qui c'est qui fait du bruit comme ça au-dessus de ma chambre? Mince, attendez 2 secondes. Enfin, je vais pas couper, mais juste pour entendre ce que c'est ce bruit. Ok, donc il y avait des coups de pied, enfin, je sais pas, quelqu'un qui tapait sur le sol. Je sais pas trop. Donc, on va acheter des super potions, je sais pas en fait. J'en ai combien? Oh, j'en ai 36, d'accord. Peut-être des anti-brûles. Ouais, ça peut peut-être nous être utile. On va en acheter. On a de l'argent, mais on va pas tout utiliser. On a acheté 10, c'est pas mal. Voilà. Bon. On continue. On va retourner à l'arène. Hein. En plus, on a. Oh, tiens. Phare, c'est où ça? Ça mène à quoi? Il mène à rien cet arbre. Il mène à quoi cet arbre? Mais j'ai pas coupe sous la main de toute façon. Enfin, j'ai pas le Pokémon qui a coupe, donc tant pis. Donc, on peut passer par là. Ouais, on a le chemin débloqué, donc maintenant il faut combattre lui. On va laisser Dracarmin et Ambrilex devant, tant pis. Là, on peut vraiment pas mettre de toute façon Junko. Parce que il faudra l'entraîner, hein, il est niveau 38 aussi, mais bon, il serait défoncé, donc ce serait un peu dommage. Mais il pourrait résister. Il pourrait quand même résister au séisme, donc ça c'est intéressant. Enfin bon, nous, de toute façon, on est tout seul maintenant, du coup ça c'est cool. On risque pas de faire de dégâts à côté, c'est vrai que c'est un peu dommage ça. Donc là, si on est blessé, on n'ira pas au centre Pokémon, on utilisera tout simplement des super potions. Je sais qu'il est pas loin, mais bon, si on fait que des allers-retours au centre Pokémon, c'est un peu dommage. Et du coup, je me demandais quelque chose là. Mais est-ce que quand il y en a deux Pokémon en face, est-ce que la puissance n'est pas affaiblie? Parce que là, je l'ai mis KO du premier coup, alors qu'avec séisme, avant, je le mettais pas KO du premier coup. Donc soit... Ok, pourquoi il y avait du feu ici en fait? Ah ok, c'est pour venir plus rapidement, d'accord, il vient de le dire. Je sais plus ce que je voulais dire. J'ai l'impression que ouais, la puissance est divisée par deux. Je sais pas si c'est vrai ou non, mais quand il y a deux adversaires, j'ai l'impression que c'est divisé un peu. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ou alors c'était peut-être Galopa qui était vraiment moins résistant, mais bon, ça m'étonne, hein. Je sais pas. Ok, donc ça c'est bien quand il est tout seul au moins. Ça les met KO direct quasiment. Ah, mais ça recommençait. Qu'est-ce que c'est ça? Et pourquoi il tape? Mais je sais pas ce qui se passe. Ça se trouve, c'est un mec qui m'entend parler, faire la vidéo. Il dit tais-toi, tais-toi. Vous imaginez, c'est vraiment ça? Ah, ça serait embêtant. Eh bah, de toute façon, ça, c'est bon, il va se calmer. Hein. Bon, je comprends que ça puisse être embêtant, mais bon, pas la peine de faire un scandale. Et puis là, ça s'est arrêté, donc je suis pas sûr que ça soit ça au final. Et puis bon, j'entends tout le temps des gens parler, pas forcément faire des vidéos, mais qui parlent fort et plus tard que ça. Moi, je tourne ça à 19h25. Et c'est pas pour autant que je vais faire un scandale, hein. Oh là là, putain, il m'a brûlé, j'y crois pas. Enfin, je dis ça 2 minutes, 10 minutes après qu'il m'ait brûlé, mais c'est pas grave. Ah là 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 là. Bon, là, on va économiser, on va faire un mâchouille. Puis là, on va peut-être changer, hein, en plus, il va monter niveau 34. On va pas le laisser, ça sert à rien. Enfin, on le laisserait un peu pour rien, il va perdre de la vie et puis. Il aura du mal à les mettre KO puisqu'il a son attaque baissée. Ce sera un peu dommage. Donc on va le changer. Combusken, ok. On va mettre Ambrilex. Infect, pardon. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Infect. Même Ambrilex. Ambrilex, Infect. Tyranocif. Encore Tyranocif, je vois. Un hein, Tyrannosaure et qui est nocif, donc mauvais. Mais Ambrilex. Dites-moi. Non, là, je vois vraiment pas. Hein.
Des fois on peut comprendre, mais là, je vous avoue que je vois pas trop la signification du mot. Mais bon, tant pis. Ok, donc lui c'est très bien, niveau 39. On va laisser toujours Drakkarmin. Je crois que c'est le dernier dresseur là qu'on a fait. Ok, un deal est un deal, il a enlevé le feu. Et c'est le dernier. Ok, très bien, c'était le dernier. Donc on va chercher les... voilà. Les anti-brûlures. On va mettre super potion. Est-ce que j'ai pas une huile? Ouais, je peux retourner au centre Pokémon, mais... J'ai pas des huiles par hasard. Ah oui, c'était... Ah, c'était dans cette aventure que... J'étais plus sûr, en fait, j'y avais pensé. C'est pour ça que j'étais allé voir vite fait vers les baies. Mais j'étais plus sûr si c'était Dark Rising ou alors Glazed, où j'avais trouvé plein de baies, mais je sais plus où c'est déjà. Faudra que je retrouve ça. Ça doit être dans la ville de Plante, je pense, hein. Je vois pas pourquoi ce serait un autre endroit. Mais c'est vachement, vachement bien. Faudrait que j'essaye de noter. Ça peut être vachement utile. Bon, Ernest. Bonjour, jeune citoyen. On m'appelle Ernest et je suis le champion d'arène. Voilà, je suis champion d'arène, quoi. Je sais pas ce qu'il veut dire. Around this port. J'essaye de faire trop l'accent anglais alors que pas du tout, en fait. Around. Mais bon, Around these parts, ça le fait pas trop. Around this part, tu veux le badge Blaze, alors tu vas devoir me combattre avant, en premier. C'est parti. Je pense que ça devrait bien se passer. Hein. En tout cas, ouais, je le redis, mais ce jeu, mais il est tellement beau. Enfin, ça me. Là, c'est. Je trouve, comment dire? Je perds mes mots. Hein. Mais je trouve que c'est en fait, c'est encore plus beau que l'arène de type plante, par exemple, parce que là, le feu, enfin, il bouge. Et c'est con qu'on dit comme ça, mais. La plante, c'était juste le décor. C'était très joli, il n'y avait pas de souci. Mais voilà, c'était juste le décor. Là, il a fait bouger le feu avec des bulles de feu, des fois qu'on voit éclater. Je sais pas. Je suis bluffé à chaque fois. Et surtout qu'on n'a pas fini de découvrir le jeu. Hein. Là, on en est à la 13e partie. Mais il nous reste encore plein de choses à découvrir, je pense. Hein. J'ai pas tout vu. Mais je pense qu'il nous reste pas mal de choses à découvrir. Donc, déjà, on lui a fait utiliser une potion maintenant. Je sais pas s'il en aura une autre, mais c'est déjà cool. Vaut mieux lui faire utiliser au début, lorsqu'on a tous nos Pokémon, plutôt qu'à la fin, qu'il nous casse les pieds à utiliser des potions alors que nous on est en galère avec nos Pokémon blessés, tout ça. Voilà, donc là, c'est bien. On va changer. Parce que. Je sais pas, attends, il met Simiabraze. Est-ce que je change? Ah, je sais pas. On va le laisser, mais j'aurais peut-être dû le changer maintenant que. Ouais, je sais pas. Bon, on va faire Séisme. Point glace? Ok. Alors là, je l'ai pas du tout vu venir. D'un côté, je sais pas comment j'aurais dû y penser. Hein. Je vois pas comment j'aurais pu y penser. On l'a un petit peu blessé. On va mettre Ambrilex. Alors, Infect. Ah, purée. Je confondrai toujours les deux. Enfin, les noms des deux. Alors, au moins, quand ce sera. Ah, bah, parfait. Quand ce sera un Tyranocif, je sais que je confondrai plus. Hein. Tyranocif, c'est Tyranocif, c'est sûr. Il n'y a pas de Tyranocif, c'est Ambrilex. Non, non. Là, c'est juste que je confonds parce que. Je sais pas trop pourquoi je confonds d'ailleurs, mais au moins je sais que quand il y aura Tyranocif, je confondrai plus. Bon, 1701, très bien. Blaziken, ça c'est Brazégalie, si je dis pas de bêtises. Non, c'est juste pour pas confondre avec Galifeu, mais si je dis pas de bêtises, Galifeu c'est Combusken. Et Poussifeu c'est Torchic. Ah, c'est que au final, je retiens bien les noms anglais. Hein. Même si je les ai pas tout de suite devant les yeux, je retiens bien. Bref, tais-toi. Ouh! On va le laisser, on a éboulement, ça peut faire mal. Donc on va le laisser. Allez, faut que ça réussisse du premier coup. Ok, faut que ça réussisse du premier coup. S'il te plaît. Ouais, super. Je pense que ça peut le mettre KO, hein, normalement. Normalement, c'est bon. Parce que si on s'était pris un lance-soleil dans la figure, on aurait eu très très mal, je pense. Voilà, très bien, en plus il est niveau 40, c'est parfait. Et pour finir, un Typhlosion. On va faire combattre l'aggron, hein. Ça serait dommage de pas en profiter. Hein. Il a pas combattu dans l'arène de type feu, il serait sûrement très triste si on le faisait pas combattre. Donc on va le faire combattre. Et puis au moins on est sûr de pas galérer. Parce que peut-être avec Infect on aurait galéré. On fait un petit surf ou pas? Ah, il manque Kikine. Et vous avez vu, hein. J'espère que vous êtes fiers de moi, je n'ai pas accéléré de tout l'épisode. Alors je sais pas pourquoi là j'ai pas accéléré alors que d'habitude au bout d'un moment j'accélère dans tous les cas. Je sais pas, parce que je suis zen, j'ai envie de prendre mon temps, j'ai pas envie de me presser, et puis là, il n'y a pas besoin de se presser, c'est pas des combats où on galère. Donc bon,
Là, je fais un force et puis un surf après pour pas qu'il se soigne tout le temps. Parce que si on fait tout le temps surf, qu'il se retrouve dans le rouge, il va tout le temps se soigner, ça serait un peu embêtant. Bon, du coup, là, on fait surf, on fait first. Oh, je bégaye. On fait surf. Et ce sera bon s'il fait pas abri toutes les 2 secondes. Hein. Ok, abri, bon, il est bête un peu, mais c'est un peu dommage qu'il fasse ça. Du coup, il a fait juste abri. Sinon, il a utilisé une potion. Mais on dirait qu'il a que ça comme attaque. Bref, bon, bah, très bien. On n'a pas eu trop de mal. Ça a été fait assez rapidement. Bien sûr, ça aurait pu être fait plus rapidement en accélérant, mais bon, j'avais pas envie d'accélérer aujourd'hui. Je sais pas. bon, je suis dans le noir, je vois pas mes touches de clavier. Je cherche la touche A. Oh, ok, c'est bon. Les feux de l'esprit combatif de mes Pokémon ont été réduits en flammes. Tu mérites vraiment ce badge. Eh bien, je te remercie, Ernest. J'obtiens le badge Blaze. Ça autorisera tes Pokémon à utiliser vol en dehors des combats pour aller aux endroits que tu as déjà visités. Prends ça aussi. 38, c'est pas lance-flamme. Hein. C'est déflagration, c'est tout à fait ça, c'est ce que j'allais dire. En plus, c'est vrai, je pensais à déflagration, puisque surchauffe c'est 50 normalement. Tu vas ensuite défier Nicole. Tu vas devoir te rendre à travers la Espo Forest pour aller jusqu'à Palm Tree Resort. Ok. Alors, Espo Forest, Palm Tree Resort. Très bien. On a combien de badges? Parce qu'on a pas mal de badges là. Hein. Ok, on est déjà à 6 badges. C'est pas mal quand même. Hein. On avance beaucoup. On va vite fait jeter un coup d'œil à la carte pour voir où est cette Espo Forest. Ah, mais je suis dans le noir et je vois jamais la touche. Ah. Bref, on est ici. Palm Tree Resort. Ok, la Espo. Ok, Espo Clearing. Ok, on doit aller jusqu'à là-bas. Ah, on y est déjà allé? Palm Tree Resort? Non, on n'y est jamais allé. Bah, pourtant, on est déjà allé à son Monstratus. Ah oui, bon, d'accord, on est déjà allé à Stormy City. Non, par contre. Tunnel League, Darkwood Town. Ok, donc on va sûrement aller ici. Après, on va devoir avoir à descendre. Bon, on va quand même continuer. J'ai envie de continuer. Je sais pas, je suis de bonne humeur. J'ai envie de tourner sur cette série. Donc, j'ai envie de continuer. Par contre, je ne me suis pas soigné. Donc, on va quand même se soigner. On va pas faire n'importe quoi. On va essayer de se rendre jusqu'à cette ville Palm Tree Resort. Ou alors, on va voir. Peut-être pas, parce que si on doit traverser toute la forêt, ça peut être assez long. On va aller jusqu'à la forêt et puis on verra quand on y sera. Bon, c'est-à-dire dans 30 secondes, hein, si c'est à la gauche de la ville, si c'est à l'ouest de la ville, on y est très rapidement, mais d'ailleurs comment on y est arrivé à cette ville? On est arrivé par là? Ah ok, on était passé par la piste cyclable. Est-ce qu'on... Je sais pas par où on doit passer, par la gauche. Peut-être par là? Ouais, ça m'a l'air d'être ça. Ah, il y avait une carte. Espo Clearing. Ok, donc on va prendre l'eau, hein. Est-ce qu'on lui parle, lui? Il y a peut-être moyen qu'il nous donne genre une comment? Désolé, j'allais dire une canne à pêche. Je sais pas ce que je crois que je réfléchissais au mot. Je sais pas si je pense à autre chose, mais attends, est-ce que j'ai des repousses avant de partir? Parce que si on arrive dans une forêt, tout ça, ça pourrait être cool d'avoir des repousses. 5 super repousses. On va peut-être aller en racheter. Ouais, on va vite fait en racheter. Puis au moins, ça nous fait faire quelque chose dans l'épisode pour compléter. Hé, hey, je suis malin, moi. Hein. Et oui, oh bon, de toute façon c'est juste à côté la boutique donc. Ok, j'espère qu'ils vendent des repousses hein, par contre. Hein. Ils vendent que des petits repousses. Bon, on va quand même en prendre, mais. Non, ça vaut pas le coup, hein. Franchement, ça vaut pas le coup. Tant pis, on va faire comme ça. On a 5 super repousses, pour l'instant on va pas en mettre, de toute façon. On verra plus tard. Espo Clearing, c'est bon, maintenant on passe. On va laisser toujours notre ami Dracarmin devant. Il a quand même progressé, hein, il est déjà niveau 34, donc c'est plutôt cool. C'est vrai que l'Ipoutou, par contre, j'ai pas du tout entraîné. C'est parce que je suis pas sûr de garder, en fait. C'est vrai que je suis pas trop chaud pour garder. Je sais pas pourquoi l'Ipoutou, pourtant j'aime bien, mais. Je suis pas trop chaud. C'est pour un combat? Bon, est-ce qu'on fait le combat? Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Tout le monde peut être un psychique, ça demande de la concentration et de la. Dédication, je sais pas ce que ça peut dire. Ok, l'Espo Forest. Alors, on va sûrement avoir des Pokémon Psy ici, j'imagine. Je pense que ça va être ça. Ok, des Terrals. Des Terrals, y a quoi d'autre comme Pokémon Psy? Parce que ça m'intéresse, mais voilà, pas plus que ça non plus. Terrals, je suis pas méga fan. C'est vrai qu'au début de l'aventure, en plus, je crois que j'avais essayé d'en attraper un, je me rappelle. Impossible à attraper le Terral en plus. Mais en fait, je sais pas pourquoi j'ai voulu, hein, surtout que ça m'intéresse pas plus que ça. Metalos, c'est un super Pokémon, mais je sais pas, il est long à entraîner. Je sais pas, y a pas de raison particulière. Enfin bref,
On va peut-être s'arrêter ici quand même. Je sais pas depuis combien de temps je fais cet épisode. J'ai pas regardé l'heure. Ok, il ne combat pas. On va quand même mettre un repousse. Ça, c'est peut-être des combats que je ferai hors vidéo, hein. De toute façon, vous avez vu déjà assez de combats, donc c'est pas très gênant, je pense. Ok, on passe là. Il nous a pas vu, c'est bon. Ok, mais ils nous combattent pas? Attendez, on fait juste un test. Danse comme un cap humain, je ne contrôle plus. Mais il y en a aucun qui nous combat? Peux-tu changer le futur? Je ne sais même pas. Ok, alors c'est bizarre. Je sais pas si c'est fait exprès que personne ne nous combatte. Tant mieux. Ah, on y est déjà allé. On est déjà passé ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on va marquer? Oh, un but bizarre jaune. On va mettre. J'ai aucune idée. On va mettre un vieux truc. Youpi. Voilà. Youpi. Il a fini. Ok. Ça fait pas paraître un Pokémon en particulier. Ok, bah il y en a bien un qui allait nous combattre. Je prévois une victoire. D'accord. On va voir. On va voir. T'en as un. Ça va. C'est pas trop long. Why not? Ah, purée. Ah, purée. Le gros piège. On va faire Drac Courage. Ça, au moins, il nous fait riposte ou voit le miroir. On perd 80 PV, mais on n'est pas KO. On va refaire Drac Courage. C'est juste que j'ai peur de faire de Machouille, de quasiment lui enlever toute sa vie, mais que ça le tue pas. Et du coup, derrière. Ah, purée, il nous enquiquine là. Ok, il faut qu'on change parce qu'on a pas trop le choix. Ouais, mais on va mourir. Parce qu'on peut pas changer normalement. Ouais, il a son. Aïe aïe aïe. Ah ouais, mais. Bon, ouais, tant pis, hein. C'est pas grave. Est-ce qu'on gagne au moins de l'expérience si je le mets KO? Non, je meurs direct. Ouais, je meurs direct. Bah, j'ai pas le choix, là, je me suis fait piéger. J'y avais pas pensé, c'est malin. C'est très malin. J'aurais peut-être dû faire avant, surtout que le deuxième coup, il était déjà blessé. J'aurais pu le mettre KO, je pense, direct avec Machouille. Mais tant pis. Bon, on va laisser. Ouais, Infect devant. On va passer par là. Bon, je sais pas si c'est tous des dresseurs maintenant. J'ai vu qu'il y avait une Pokéball. La Dawnstone? C'est quoi? C'est. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est la pierre obscure en gros, la pierre sombre. Non, c'est dans les objets, alors je sais pas où j'allais. Ah non, c'est quoi ça? La pierre éclat? C'est pas la pierre éclat, je crois qu'il y en a une qui s'appelle comme ça, mais je suis pas sûr. Ok. Bon, on va. Je pense qu'on va s'arrêter ici, je sais pas. Ah, je sais pas. J'ai envie de continuer, mais j'ai pas envie de faire un truc trop long. C'est un conflit permanent dans ma tête, hein, si vous saviez. Mais bon, j'aurais dû regarder en avance. C'est pas très grave. On va se faire ce combat très rapidement, je pense. Ah, Magic Morsure, mais faut qu'il apprenne Machouille, là, il est périmé, ce Infect. Bon, il est périmé, il a quand même mis KO, donc ça va. On n'est pas si périmé que ça au final. À la Kazam, ok. On n'est pas si périmé que ça. Ah là 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 là. Oh, les Kazam, ce sera pas aussi facile. Tiens, il a une drôle de couleur à la Kazam, non? Préscience, ok. Je trouve qu'il est. Il a une drôle de couleur. Enfin, son jaune, ok, ça va, mais son marron. Je sais pas. Bref. Coup critique, parfait. Bravo, Infect. J'allais encore dire Ambrilex. Je vais pas réussir à l'appeler Infect 3 fois de suite. Hein. Ah là 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 là. Bon. On continue encore un petit peu. Le repousse ne marche plus. Ok. Ah, ok, on sort de la forêt. On sort de la forêt, Palm Tree Park. Ok, bah parfait, on va s'arrêter ici du coup. Je vous remercie d'avoir suivi cette 13e partie de Pokémon Glaze. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Tiens, on a 6 badges, ouais. Ça passe vite, hein. Ça passe vite, mais il nous reste pas mal de choses à faire. Hein. Il nous reste déjà 2 badges à avoir. Pas mal d'aventures avec la Team Fusion, avec Blake, avec Luke, par rapport à cette. À ces mondes parallèles. Puis il y aura Johto sûrement à découvrir. Enfin bon. Il y a pas mal de choses encore à découvrir, même si on a déjà fait beaucoup de choses. Il nous en reste beaucoup encore à faire. Mais moi, j'aime beaucoup. Je trouve ce jeu beau, intéressant. Ouais, j'espère que vous aussi. Donc, cette fois, je vous laisse. Vous en faites pas. C'est vrai que je blablate souvent à la fin des épisodes quand je dis je vous laisse. Mais cette fois, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous pour le 14e épisode de Pokémon Glazed. Et cette fois, c'est bon. À bientôt, tout le monde. Salut, salut.